j'espère que vous allez bien. Nous sommes lundi 6 juillet. Il est 8h10, 8h15. Je suis déjà ici parce que je m'en vais. Voilà. J'avais prévenu qu'aujourd'hui je n'étais pas là. Donc aujourd'hui, pas de travail. Et aujourd'hui, il y aura simplement travaux. Voilà. Donc là, je suis prête. Ma mère va venir me chercher. Ce matin, on va chercher tout ce qui est. Je vais aller payer le parquet, choisir mon parquet. Je vais aller prendre toute la peinture, etc. Et en fin d'après-midi, on attaquera toute la peinture. Peut-être que ce soir, ça sera fini. On verra bien. Je vous dirai de toute façon. Je vous reprendrai cet après-midi. Je vais aller faire mes courses, il me faut des t-shirts, donc je vais aller acheter des t-shirts et puis voilà, enfin plein de petites choses, il faut que j'aille acheter les petits cadeaux de mon futur neveu, voilà. Et là vous voyez, je suis devant ma pièce, donc je vais vous faire voir ce qu'on a fait ce week-end. Donc j'ai fermé la porte hein, parce que ça résonne. Ce qu'on a fait ce week-end, c'est que hop, on a donné un coup de peinture, déjà un premier coup de peinture au plafond, parce qu'on savait pas trop ce que ça allait donner, mais ma foi, ça va. Le premier coup, c'est pas de la peinture spéciale, spéciale bois, ça ressort un petit peu le marronné, je sais pas si vous vous rendrez bien compte. Voilà, mais c'est pas très grave. Et du coup, toutes les cloisons sont finies. Vous voyez, ça c'est ma porte va être peinte en blanc. La fenêtre aussi là va être peinte. Et voilà, tout est fini. Hop. Donc ce soir, hop, ce soir on met tout en peinture, voilà. Je suis trop contente, mon frère a trop bien avancé, je suis trop contente. Donc si tout va bien ce soir, je pense qu'on aura fini la peinture. Moi cet après-midi, il faut que je donne un bon coup par terre parce que clairement c'est catastrophe. Je vais gratter et je vais donner un bon coup, que ça soit propre pour la peinture. Et si tout va bien, bah, demain on attaquera le parquet, si j'ai trouvé le parquet. Je vais voir d'acheter le même parquet. Maintenant, s'il n'y est pas, bah, j'achèterai un autre parquet. C'est comme ça. Donc, allez, moi je vous dis à tout à l'heure parce que là, ma mère va arriver. Je vais aller me mettre au portail, elle va venir me chercher. J'en ai pour toute la matinée. Donc, si elle ne reste pas cet après-midi, je vous ferai un petit coucou. Et si elle reste, ben, je vous ferai voir un petit coucou ce soir pour vous dire l'avancée des travaux. Allez, je vous fais des bisous. Puis on se dit à tout à l'heure. Ça y est, il est midi, quelque chose comme ça, midi. Je viens de rentrer, hop, j'étais dans la maison. On a tout vidé, Ah, j'essaye de mettre les chaussures. Du coup, j'ai trouvé le matelas pour le bébé de mon frère. Je leur ai trouvé ça et ce qu'elle voulait, ceci. Du coup, je suis allée à Orchestra. Hop, là, il y a du vent, ça fait du bien. J'ai trouvé des cartons pour faire mes cartons et le parquet. Bon, j'ai acheté ce qu'il fallait, peinture, rouleau, il me fallait de ça là, tac. Et regardez-moi le parquet comme il est beau. Est-ce que vous allez bien le voir? Hop, j'ai changé en fait. J'ai pas du tout pris le même que j'avais. Et lui, il est trop beau. Alors lui, clairement, j'y ai craqué dessus. J'avais très envie d'un parquet comme ça. Du coup, ça c'est fait. Moi, là, on va manger. Après manger, j'essaie de me caler, on va manger et après manger, je retourne faire des courses parce que j'ai pas tout fini. Je vais aller voir d'acheter mes fromages à la ferme, je sais pas s'il y en aura. Et il faut qu'à 4h, 4h15 je sois là parce qu'après on va attaquer la peinture qui est ici. Voilà. Donc j'ai acheté même les prises, enfin j'ai acheté tout ce qu'il me fallait. Voilà, mon fils ce soir, mon beau-père s'occupe d'aller l'inscrire. Je lui ai fait passer ben, l'argent qu'il fallait pour l'inscrire au foot. Comme ça, c'est fait en septembre, il pourra reprendre le foot. Et puis voilà, et puis cet après-midi... Alors c'est pareil, je suis à la Zeman, je voulais des t-shirts. J'en ai trouvé que des blancs, donc du coup cet après-midi, je vais à l'autre Zeman. Je vais aller acheter le noir qui me manque, qu'on m'a passé commande. Et je vais aller peut-être me reprendre deux noirs aussi pour moi. Et puis voilà, on va aller faire le reste des courses. Donc moi, ce que je fais, c'est que là maintenant, je vous reprendrai que ce soir. Comme je vous ai dit, aujourd'hui, pas de commande. Par contre, demain matin, commande. Et je pense que je retravaillerai aussi un peu en début d'après-midi demain. Et après, ça sera normalement... Je croise les doigts, parquet. Donc voilà, donc je vous ferai un petit point ce soir et on verra si demain on attaque le parquet ou pas du tout. Voilà, allez, je vous dis à plus tard. Bon, je vous annonce, je suis pendable. Je suis toute blanche, regardez mes pieds. Et je vais aller vous caler et je vais vous mettre la séquence en accéléré parce qu'ils sont en train de travailler. Show me this motherfucker.
I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to you now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you. J'espère que vous allez bien. Nous sommes mardi 7 juillet. Il est 8h15, 8h30. Je voulais vous reprendre dehors, mais il fait un vent. Et je me suis rendu compte que dans mon vlog dernier, vu que je n'ai pas de petite mousse exprès pour les micros, il y avait beaucoup de bruit. Il y a du vent, ça m'ouvre même. Alors attendez. Oui, je me suis rendu compte que du coup il y avait vachement de bruit, donc du coup j'ai préféré ne pas l'ouvrir dehors. Hier je n'ai pas refilmé, pourquoi? Parce que je vais m'asseoir, il y a une chaise. Pourquoi? Parce qu'on a fini tard de peindre, je ne sais pas si vous voyez derrière moi, c'est tout blanc, ça y est, tout est blanc. Alors on hésitait à remettre une troisième couche, mais du coup c'est bon, de toute façon ça sera mon atelier à moi, donc même si encore on voit pas de démarcation, c'est nickel. Donc moi là, en programme du jour, mes enfants dorment, je ferai du petit ménage entre midi et 1h. Moi là je vais aller faire des commandes, je vais aller faire un vanity. Il faudrait que je prépare parce que demain je voudrais faire de la sublimation demain matin, parce que normalement demain j'ai du monde, donc demain matin faire de la sublimation. J'ai deux choses en sublimation là à faire et j'en aurai encore 4 à faire la semaine prochaine.
Et après, j'attends mon flex. Alors, si j'ai mon flex aujourd'hui, jeudi, je peux faire tous les projets en flex parce que là, j'en ai plutôt pas mal pendant la journée. Ça sera fait. Donc, du coup, là, je vais faire le vanity. Je vais aller voir pour faire ça. J'ai une carte cadeau aussi à faire. Donc, ça, j'aimerais bien m'en occuper aussi aujourd'hui. Cet après-midi, alors, j'ai mes cheveux blancs. Je sais pas si vous le voyez. Hier, j'étais dans un état, vous l'aurez vu en accéléré. J'étais dans un état, un truc de fou. Hier soir, du coup, on a tous mangé ensemble avec mes frères et tout. J'avais pris pizza. Je me suis même baignée et tout. Avant, hein, avant d'être toute blanche. Pendant qu'il y avait ma mère. Parce que quand je suis revenue des courses. En ce moment, je fais pas trop attention et je mange très peu. Et j'étais pas loin du malaise en fait. Et donc du coup, je suis allée me rafraîchir dans la piscine. Et hier, une fois qu'on a frotté, mais j'étais dans un état, je ne tenais plus debout. Franchement, j'ai failli tomber. Donc du coup, je me suis assise, etc. Et après, j'ai mangé un petit peu des petites chips. Ça allait mieux. Puis hier soir, ça allait beaucoup mieux. Puis aujourd'hui, ça va. Aujourd'hui, je vais essayer de manger. Pas là, mais je vais essayer de manger à midi et un peu cet après-midi. Cet après-midi, moi, j'ai ma belle-sœur, pas ma sœur, qui vient me refaire mes petits cheveux. Parce que d'habitude, je fais venir ma coiffeuse. Mais là, financièrement, ça va me faire un coup. Donc du coup, hier, j'ai tout acheté pour faire. Donc elle va me refaire, comme la dernière fois, ma couleur et mon blond. Et je me couperai, je pense, moi, un petit peu les pointes dans la semaine. Donc la semaine prochaine. Et en fin d'après-midi, on va faire le parquet. Voilà, ma porte est faite. S'ouvrir. On va faire le parquet. Logiquement, mes frères m'ont dit que je pense que le parquet. J'espère qu'il n'y aura pas de vent. Parce que là, ça y est, ça s'est ouvert. Logiquement, le parquet devrait être fini ce soir. Voilà, ce soir. Peut-être pas les plinthes. Et demain, on mettra mes éclairages, les prises, mes lustres. Et si on y arrive, on attaquera à mettre les étagères parce que j'aimerais bien pour jeudi après-midi attaquer à mener des meubles et continuer vendredi et tout ce week-end. Au moins les meubles, au moins mes frères, ils peuvent m'aider eux en fin d'après-midi pour les meubles que j'arrive pas. Et puis après, tout le week-end, ça serait bien qu'en fait vendredi, tous mes meubles soient posés ici. Comme ça, moi, tout le week-end, ben, je range et je prendrai pas trop de retard parce que là, en soi, toutes les commandes, j'ai eu, je sais pas combien de commandes, 7 ou 8 sur la boutique. Il y a, dans les commandes, il y a plusieurs articles. Donc du coup, j'aimerais bien attaquer à partir de mardi parce que lundi, je ne travaillerai pas. J'aimerais bien attaquer à partir de mardi. Comme ça, dans la semaine prochaine, toutes mes commandes seront finies. C'est pour ça que là, j'essaye de faire déjà toutes les commandes qui ont été hors le site avant. Voilà, pour être tranquille. Donc allez, moi, je vous reprendrai un petit peu plus tard. Mais déjà, je vais vous faire voir tout le blanc. Donc déjà, hop. Alors... Au plafond, je ne sais pas si vous verrez bien, on a fait un effet bois, tout simplement parce que ça fait beaucoup, beaucoup plus joli. Donc, c'est mon frère qui s'amusait à faire ça, mon grand frère, enfin, mes grands frères. Et tout est blanc, regarde, tout est blanc. Bon, ma porte fait que de s'ouvrir, mais je vous accorde, il fait beaucoup de vent. Puis, on a enlevé la fenêtre pour avoir beaucoup plus d'air. Et ouais, tout est blanc. Voilà. Donc là, il va voir, c'est où il va avoir les prises. Hein. Là-bas, par exemple, vous allez avoir les deux trous. Et pareil, ce matin aussi, ma presse a été commandée. Donc, comme ça, normalement, je la reçois jeudi prochain. Mais avec Amazon, en principe, on reçoit toujours un petit peu avant. J'ai trop hâte. Elle est trop belle. Je suis trop contente. Il y a des trop bons retours. Donc, j'ai hâte. Et elle sera positionnée, comme je vous ai dit. Mes machines vont être là. Et là-bas, il va avoir mon espace pour filmer avec ma télé au milieu. Voilà, voilà. Allez, moi, je vais travailler. Je vais me mettre un petit peu de musique. Et puis, on va s'ambiancer. D'ailleurs, il faut que j'enclenche parce qu'en fait, je regarde par la fenêtre. Mais je sais pas si vous verrez. Du coup, j'ai vu sur ma piscine. Ça va être top parce que, bon, ce week-end, j'ai les petits. Mais à partir de la semaine prochaine, j'ai plus personne. Il n'y a plus personne avec moi. Je serai toute seule jusqu'à mercredi ou jeudi. Donc du coup, là j'ai vu sur la piscine, si au cas où ma grande elle est dans la piscine, je la verrai, bon bref, j'adore, je kiffe. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Donc là pareil, hein, vous inquiétez pas, moi je vais gratter un petit peu ce que je peux là dans la semaine, mais les portes et les volets vont être repeints, pas tout de suite, ça sera repeint je pense, peut-être fin juillet, début août je pense. Du coup voilà, allez, on dit à tout à l'heure. Je vous ai pas dit, hier pendant mes courses, je suis allée à Zeeman. Je me suis repris deux t-shirts blancs pour moi parce que, bien sûr, il y a des nouveaux modèles de t-shirts qui arriveront. Ma mère veut que j'y fasse un sac à main de course avec voilà, ça et ça. Hop. Donc, elle me l'a laissé. J'ai, bon là, c'est ma facture, ça, il faut que je la garde. Hop. Je suis allée acheter ce simili-cuir couleur écaille. Enfin, c'est écaille.
Hop, c'est pour une petite fille. Donc Lou, si tu passes par là, trop trop joli. Je suis allée acheter celui-là, c'est du jersey, donc j'espère arriver à le travailler, mais je pense qu'il n'y a pas de problème. C'est pour faire un panier et ses cotons. J'ai repris la fin de celui-ci, donc pour le moment celui-ci n'en aura plus. Je vais faire la commande de la personne et après voilà, il n'y en aura plus. Et en petite nouveauté, j'ai pris juste un tissu, j'ai craqué dessus. Et lui il arrivera je sais pas quand encore. Et je suis allée chercher le t-shirt en taille 44 qui m'a été commandé. Et je me suis repris du coup deux t-shirts. Donc il n'y avait pas en 36, donc j'ai pris en 38, donc noir. Ça c'est pareil, ça sera pour les futurs t-shirts. Mais déjà je vais faire ce qui m'est commandé. Et je suis allée acheter, j'ai pris 2 mètres, j'ai pris 2 mètres de... En fait c'est super épais, ça va être pour faire le tour de lit de ma belle-sœur. Parce que la semaine prochaine, dès que j'aurai clôturé mes commandes, ça sera tous les projets pour elle. Voilà, avant que le bébé naisse. Moi là pareil, en fin de matinée, il faut que je fasse... Là j'ai 2 colis de prêt, j'ai juste à les affranchir, il faut que je les mette dans la boîte aux lettres. Comme ça, là je vais faire le... Je vais faire le vanity, comme ça je peux préparer cette commande. Cette commande je la mettrai dans ma boîte aux lettres demain. Comme ça, ça sera fait. Et ce que j'avancerai aujourd'hui, j'aimerais bien faire aujourd'hui l'ardoise qui me manque, parce qu'il me reste une ardoise à faire. Comme ça je peux fermer le colis, le faire partir, et après je vais faire un petit point de ce que je peux faire en fonction de... En fait, comme je vous expliquais, je clôture chaque commande par chaque commande. Hormis la dernière ardoise, parce que je l'ai reçue le lendemain que j'avais attaqué d'attaquer. Mais autrement, j'essaye de tout faire dans la lignée. Comme ça, je clôture commande par commande. Donc là, et puis après voilà, j'ai une... Alors, il y a, je sais pas si je vous avais fait voir, il y en a de partout. Clairement, on a tout vidé. Vous voyez, toutes mes étagères derrière sont toutes vides. Là, mon buffet là-bas, il est vide. Bon, celui-là d'à côté, vous le voyez pas là, parce qu'il y a mes tasses devant. Il est plein, mais de toute façon, on essaiera de porter au maximum avec mes frères. Ma fille m'a enlevé toutes les décos en haut, toutes les décos là-bas, il n'y a plus rien. Là-bas, enfin voilà, là ça commence à être carnage. On va libérer au fur et à mesure. Et puis voilà, là je voudrais que de demain, mon frère, il me démonte ce plan de travail-là. Comme ça, une fois que le parquet est posé là-bas, on peut voir comment remettre mes deux plans de travail. Sachant que mes deux plans de travail, je ne les remets pas, je vais en mettre un. Et je pense que je prendrai un morceau de l'autre si on y arrive. Parce que peut-être que les dimensions seront trop grandes. On a calculé ça hier, mais on va calculer mieux ça ces jours à venir. Voilà, allez, bon, c'est parti. Moi, je vais au travail. Bon, il est 11h moins le quart, j'ai bien travaillé, je suis arrivée à faire un panier de coton. Donc ça c'était une commande qu'il y avait sur ma boutique, donc avec panier de coton, etc, etc. J'ai fait le vanity, là je viens de fermer 4 colis, voilà. Donc il y en avait déjà un, 2 qui étaient fermés, donc j'ai fermé les 2 autres. Et là je vais pour affranchir, j'ai pu en affranchir qu'un, les autres. Maintenant, sachant que j'en ai un, absolument fallait qu'il soit posé aujourd'hui dans ma boîte aux lettres, pour que la personne l'ait vendredi. Et... voilà, comment vous dire que j'ai les glandes. Voilà, j'ai vraiment, vraiment, vraiment les glandes. J'espère qu'en début d'après-midi, ça sera plus en maintenance, que je vais vraiment pouvoir les faire d'aujourd'hui, parce que je ne pourrais pas les faire en fin d'après-midi. Faut absolument que je le fasse là. J'ai les boules. Comment vous dire que j'ai les boules. Bon, ils rentreront pas tous dans la boîte aux lettres, mais en soi, il y en a déjà 3 qui rentreront. Le quatrième, je le mettrai demain. Mais je voudrais vraiment affranchir. J'ai les boules. J'ai les boule. Bref, donc du coup je vais réessayer d'ici une petite demi-heure, je verrai. Moi là, mon programme d'aujourd'hui est fini. J'ai fait ce que je voulais faire. Après il faut que je travaille sur la boutique, donc c'est ce que je vais attaquer à faire tout de suite. Et puis je retesterai là, je vais travailler jusqu'à 11h30 à peu près, après on ira manger. Ma belle-sœur vient à 2h, donc en soi tout ce que je dois faire sur la boutique, je pense que ça sera quasiment tout fait avant qu'elle arrive. Mais là j'en ai marre pour mes colis, ça me fatigue, j'ai les boules. Mais bref, allez, bon, je me suis mis ma petite musique tranquillou, tranquillée. Et puis voilà, allez, on se dit à tout à l'heure. J'espère que tout à l'heure j'aurai réussi à faire ces fameux coulis. Allez, à tout à l'heure. Ça y est, écoutez, c'est en train d'imprimer. Voilà, trop contente. En fait, 10 minutes après, j'ai fait tous les trucs sur la boutique. J'avais plein de petites choses à modifier, donc ça y est, c'est fait. Et là, je suis en train d'imprimer. Et j'ai que le colis du coup pour la Suisse, que demain, je vais dire à ma mère qu'elle aille me le déposer, parce qu'en fait, il y a des choses à faire signer, je ne savais pas. Donc c'est le seul que je peux pas aller en boîte aux lettres. Donc du coup, les 3 autres qu'il y a là vont aller tout de suite dans la boîte aux lettres une fois que j'ai fait ça. Et puis ma mère récupérera là demain. Voilà, je suis trop contente.
ça m'enlève un poids, midi 10, 11h10, donc je vous ai pris il y a 20-25 minutes. Donc voilà, j'ai travaillé, c'est cool, je suis trop contente. Ça m'enlève ça et puis voilà, donc allez, moi je vous retrouverai cet après-midi, je pense, une fois que ma petite couleur sera faite et une fois que le parquet, mais de toute façon, promis, ce soir je viens vous faire un petit coucou, même s'il fait nuit, c'est pas grave parce que ce soir on mange... la plancha, j'ai acheté plein de poissons congelés que je vais aller mettre à mariner cet après-midi, toute l'après-midi. Donc ce soir on mange ça, donc ça sera peut-être, il fera nuit. Mais promis, je reviens vous faire un coucou dès que je peux aujourd'hui. Allez, à tout à l'heure. Et bonsoir, alors il est quelque chose comme 9h30, je vous reprends que maintenant, je suis fatiguée, mais on a trop bien avancé, voilà, mais je voulais vous faire voir de ce soir, donc je vous mets dans l'autre sens. Donc le parquet a été posé, bon là il est sale, hein, je vous l'accorde. Hop, il a été tout posé de partout. Les petites étagères ont été achetées et posées. Le plan de travail, finalement, il me restait beaucoup de parquet. Eh bien, je me suis fait mon plan de travail, du coup, avec... Hop, on a mis des plinthes. On a mis les deux blocs de prise. Voilà, donc je ne manquerai pas de prise. On a mis les plinthes de partout. Voilà. Bon, c'est très blanc. Hop. Voilà, donc il y a la prise de mise là et la prise aussi là-bas. On a remis là-haut, on a remis la fenêtre mais elle est sale. Et en fait, là j'avais un problème ici parce que du coup, en fait, je ne pouvais pas avec la porte, ça râpait par terre. Donc mon frère m'a fait du réagréage gris, là il est en train de sécher. Et là on fera une petite finition blanche. De toute façon, moi je m'en fous. Là clairement ça sera le devant, puis de toute façon ça fait propre. Et voilà, bon bien sûr la fenêtre va falloir que je la nettoie. Donc demain le programme, moi demain je vais travailler un petit peu demain matin, demain après-midi j'ai toutes mes étagères blanches à démonter, mes plans de travail à démonter, comme ça quand mon frère il vient on va mettre mes trois lustres, on va mettre mon cadre blanc et on va mettre mes éclairages, donc mes éclairages en fait vont être ici. En fait, je filmerai plus qu'ici, je mettrai une chaise devant et je filmerai ici. Comme je vous l'ai dit, je ne veux plus rien sur mon plan de travail pour filmer. Et là, demain, on va accrocher aussi la télé. Et si on a le temps, parce que mon frère finit beaucoup plus tard demain, si on a le temps, on attaquera peut-être à mettre les étagères. Si on n'y arrive pas, eh ben les étagères, on les mettra jeudi. Mais voilà, trop contente. Bon, là, du coup, il reste encore ça. Il me reste un truc de parquet neuf, donc du coup, je vais aller me le faire rembourser, enfin, avec un avoir. Et voilà, mais ça y est, ça prend forme, ça y est, il m'a même dit tu peux attaquer demain à mettre des trucs, hein. Mais j'ai dit non, j'ai déjà, on va percer les murs, et une fois qu'on a percé les murs, et bien voilà, une fois qu'on aura fait le milieu, je pense que nous, de jeudi ou vendredi, je vais pouvoir installer mon plan de travail, peut-être pouvoir re-ranger mon plan de travail, mais je veux faire beaucoup de réaménagements, sachant que je ne veux pas tous mes meubles derrière, donc il va falloir que je fasse quelque chose de plutôt bien. Et là en fait ici du coup en bas il va y avoir ma light box qui va être sur la prise là. Moi je vais juste mettre une petite rallonge que je vais positionner là avec une goulotte. Et là je pense que je vais m'acheter des panières, je sais pas, parce qu'en fait c'est super profond, j'aurais bien voulu mettre mes tissus, je sais pas, de toute façon on verra. Mais là moi de toute façon je vais aller me laver et me coucher. Je sais pas si vous l'avez vu, mais du coup j'ai refait mon blanc. Voilà, mon blanc a été refait avec ma petite couleur, ça va beaucoup mieux. Bon, demain ça, j'aurai une meilleure tête, demain j'aurai une meilleure tête parce que je suis très fatiguée depuis ce matin à 6h que je suis debout.
Je suis fatiguée. Normalement, demain, j'ai ma copine aussi qui vient, normalement. De toute façon, je vais voir avec elle. Soit je vais la faire venir là ou ça, je la ferai venir la semaine prochaine. Je sais pas encore parce que là, je vous avoue, j'ai tellement de choses à faire demain, ça va être compliqué. Mais voilà, voilà, je suis trop contente. Et ce parquet, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est trop beau. C'est trop, trop, trop beau. Donc, ben, demain, ben, je vous reprendrai avec un peu plus de vlog. De toute façon, comme je vous ai dit, je vlog jusqu'à vendredi. Et si même jeudi, j'attaque à mettre beaucoup de meubles, par contre, je vous ferai pas voir. Là, je vous ai fait voir le parquet. À la rigueur, demain, si vous voulez, je vous ferai voir l'avancée. Mais après, vous ne verrez plus rien. Plus rien, plus rien, jusqu'au room tour. Je suis méchante, hein, je sais. J'essaierai de... que vous voyez pas énormément derrière moi. Voilà, je vais essayer. Allez, moi je vous dis à demain parce que maintenant je vais au dodo. Je vous fais des gros bisous. À demain. Bien le bonjour. On se retrouve. Nous sommes mercredi. Combien ? Mercredi 8. Il est 8h28 exactement. Alors là, aujourd'hui, mon programme est que je suis très fatiguée. Je suis très courbaturée, mais c'est pas grave, il faut. Donc aujourd'hui, pas de préparation de commande, tout simplement parce que je me suis bien avancée sur mon programme. Donc là, aujourd'hui, mon frère m'a chargé de démonter toutes mes étagères, il m'a laissé sa visseuse, donc je vais être munie de sa visseuse aujourd'hui. Je vais démonter mes 23 étagères, je sais plus comment ça s'appelle, que j'ai en dessus de mon bureau de... où j'ai mon ordinateur, vous savez, pour peindre. Pareil, je vais le démonter, je vais aller le positionner là-bas. Les étagères, pareil, je vais aller les mettre là-bas pour qu'elles soient prêtes. Bon, les lustres, je ne les démonterai pas. Je vais essayer de démonter mes deux éclairages et mon seul trépied que je vais mettre. Le reste, en fait, les deux rangs, je vais les garder. Et je m'en servirai pour faire des photos, etc. Si un jour, je veux plus de lumière. Et il me restera un carré que... je vais garder, je vais pas vendre, je vais le garder, puis on verra. Et après, je vais démonter mes plans de travail. Mais je pense que je vais attaquer par mes plans de travail pour pouvoir beaucoup plus circuler. Parce que je vous avoue que là, c'est carnage. Donc, il faut qu'aussi je regarde s'il fait beau demain. Parce que s'il fait beau demain, c'est fort possible que mes Kallax, etc., je dise à ma fille cet après-midi, on les porte tous ici, en fait, où je suis là. Voilà, mon atelier est là. L'autre, il est là. Je pense que je vais tout porter là. S'il pleut pas, je vais tous les cumuler là. Parce que logiquement, ce soir, mes éclairages seront posés. Mon frère va venir plus tard, par contre, aujourd'hui. Donc, logiquement, déjà, les éclairages seront posés. Donc, du coup, je suis désolée, il y a du bruit derrière. J'espère qu'il n'y aura pas de vent. Donc je pourrais mettre les plans de travail demain, parce que demain matin je ne suis pas là, j'ai rendez-vous Mimine. D'ailleurs, on est la veille, je ne sais toujours pas ce que je vais faire à mes ongles. J'aimais bien ce clair là, mais je vais pas refaire pareil, ça craint. Deux fois d'affilée, ça craint. Bon bref, donc du coup aujourd'hui c'est je vais tout démonter. Cet après-midi, ma fille la petite sœur de ma belle-sœur, vu que je l'ai gardée à dormir, va m'aider. On va, si je démonte les plans de travail, déjà ça va faire de la place. J'ai deux meubles à en mettre en carton et un autre. Donc si on arrive déjà à tout faire, comme ça je n'en aurai plus qu'un qui ira tout à mettre en carton. Il faut qu'aussi d'aujourd'hui on enlève le trampoline qui est là, va aller ailleurs, parce que vendredi j'ai le jardinier qui vient. Il faut que je libère un maximum. Mais de toute façon, le trampoline, on va l'enlever de là, il va aller là-bas. Donc j'ai pas mal de choses. J'ai ma copine qui devait venir, mais je lui ai dit non, là avec tout ce que j'ai à faire aujourd'hui, c'est mort, je peux pas. Et on se verra la semaine prochaine, c'est pas grave, hein. La semaine prochaine ça sera beaucoup plus calme. Par contre, la semaine prochaine ça sera boulet. Non, lundi je ne travaillerai pas. Par contre, de mardi à vendredi, ça va être travail. Parce que du coup, j'avais deux trucs à faire cette semaine, je ne les ferai pas cette semaine, je ferai tout à partir de mardi. En soi, les commandes sur la boutique, ça devrait le faire entre semaine prochaine et semaine d'après. Et ce qui me reste à faire, ça sera la semaine prochaine. J'ai deux mains, j'ai deux pieds, je suis comme tout le monde. Là c'est compliqué, il faut tout gérer en même temps, c'est très compliqué. Mais je me suis avancée pour ce qui est traîné le plus. Et puis voilà, et puis après quand j'aurai tout fait ces commandes, ben j'attaquerai, j'ai deux albums à faire. Donc du coup je les ferai, et j'ai les toiles que je ferai aussi. Un petit peu de scrap, pardon, ça fera du bien. J'ai cacahuète. Et moi, Fifi, elle arrête pas de miauler. Mais elle arrête pas de miauler. Elle a compris qu'il se passait quelque chose. Puis là, je vais lui enlever ma chaise. Alors, et moi, Fifi. Moi, choupette. Donc, voilà. Bon, allez, moi, je vais pas attendre plus. Je vais aller chercher la visseuse qui est l'autre côté pour l'amener ici. Je vais démonter tout ce que je peux. De toute façon, je vous reprendrai un petit peu dans la journée. Aujourd'hui, ça sera chouré toute seule. Hormis avec ma fille et la petite de ma belle-sœur. Donc, je vais pouvoir filmer. Mes enfants reviennent que vers 4h, 4h30. D'ailleurs, en fin de semaine, il faut que je lave tout leur linge. Parce qu'ils partent en vacances toute la semaine chez ma belle-mère à la mer. Donc, du coup, il va falloir que je leur fasse les... Ma fille a fait sa valise, mais il faut que je fasse la valise de mon fils.
Donc voilà, allez, on se dit à tout à l'heure. Bien le bonsoir, on se retrouve, il est 8h05. Je suis très essoufflée parce que ça y est, tout est fini, tout a été mis, les lustres, tout. Là, vous voyez que même les étagères, il n'y a plus rien à faire si ce n'est ranger. Donc là, je vais travailler jusqu'à 10h, je pense. Je vais me faire plein d'allers-retours ce soir. Je vais essayer d'en ranger un maximum et demain, rebelote. Donc moi, demain matin, j'ai rendez-vous aux ongles. Donc je vous ferai un petit coucou. J'espère que le ventilateur vous dérangera pas trop. Ça va pas trop souffler. Mais le problème, j'ai très chaud. Je vais juste vous faire voir un truc. Ceci. Voilà, ma télé est mise au mur, j'ai internet, tout va bien, je suis trop contente. J'ai mis déjà mon PC, tout est en route. Là, j'étais en train de trier tous les doubles faces, etc. parce que je vais le mettre dans un rangement, je vais tout mettre ensemble. Mais là, je viens d'aller chercher le carton où il y avait toute la déco parce que je vais mettre ma déco en place. Parce que là, ça manque littéralement de déco. Et puis après, voilà, je vais ramener, je pense, mes tissus et ma machine à coudre. Je suis désolée. J'ai tellement avalé de poussière aujourd'hui, je tousse énormément, mais bon, demain sera un autre jour. Moi, demain après-midi, je vais venir ranger ici. En fin d'après-midi, on va décaler le trampoline. Et après, vendredi, j'ai le jardinier qui vient le matin. Donc, j'espère que demain, on arrive à porter tous les cartons là devant. Comme ça, je ne l'embêterai pas le jardinier. Et puis, bon, moi, là-bas, j'irai faire du ménage dans la semaine prochaine. Mais pas tout de suite. Parce que là, clairement, j'ai beaucoup de taf ici. Puis après, je pense que je vais prendre un jour pour me reposer. Et après, je vais travailler sur vos commandes. Voilà, pour les personnes qui m'ont commandé, je suis trop contente, franchement je suis trop contente, on passe et tout, j'ai mon plan de travail, on a coupé qu'un morceau de 50 cm par 50, autrement j'ai pu récupérer mes deux plans de travail. Je disais tout à l'heure qu'en fait j'ai l'impression que ça fait super petit mon plan de travail, pourtant j'ai les deux réunis. Trop contente, franchement je suis trop contente, j'ai hâte de vous faire voir le room tour. Donc moi là je vais vous laisser là, ma fille est partie me faire un petit truc à manger, donc ça c'est adorable. Et puis je vous dis à demain, et puis voilà, je vous dirai mon avancée, je vous dirai où c'en est demain dans la journée aussi, je vous ferai voir mes petits angles. Et puis voilà, allez, mais je suis trop contente, franchement je suis trop happy. Bon vous voyez, hein, ça va être mon fond YouTube, là par contre avec mes cadres et tout, je ne ferai pas un fond YouTube, je pense pas. Mais vu tout ce qu'il y a de partout, je pense qu'il y en aura largement assez. Allez, je vous spoil pas trop, vous voyez déjà mes étagères derrière. Je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à demain. Bien bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, il est 11h05, je n'ai pas pu vlogger avant ce matin, j'ai complètement oublié. Ouais, c'est pas bien, hein. Donc on est jeudi 9 juillet je crois, je suis allée faire mes ongles, regardez, ils sont trop beaux, je kiffe, ouais, ils sont trop beaux, donc j'ai voulu faire une petite couleur, j'ai pas trop envie de vous spoiler, donc hop là, je vous fais voir que où je peux. Donc je suis passée à Action, donc je vais vous faire un petit haul Action ici. Déjà ma maman, hop, m'a acheté, hop, je croyais qu'il y avait quelqu'un, un saladier, donc il est trop beau. Voilà, donc celui-là, et ben ça va être mon saladier pour les salades. Après voilà, je me suis acheté le nécessaire pour... Mon téléphone il sonne. Pour faire le ménage et ça pour que ça sente bon. Je me suis acheté un aspirateur comme celui-ci. Hop, pour mettre ici parce que actuellement j'ai lui, mon Roventa. Mais mon Roventa va repartir dans ma maison, hein, parce que voilà. Et il me fallait des décos, donc j'ai trouvé ceci. Voilà. Hop, je mets tout sur le plan de travail. J'ai trouvé... ce pot là, hop, vous savez mon amour pour ces choses là, hein. Donc j'ai pris lui. Donc j'ai pris lui, c'est pas la même plante en fait à chaque fois. Parce qu'il y avait un endroit qui n'avait pas de plante. Et j'ai pris lui. Ça c'était 2,99 je crois. Je me suis pris un chargeur parce que le mien est mort. Et je voulais une plante verte, la seule que j'ai trouvée c'est celle-ci. Voilà mes petits achats Action. Donc là moi je vais aller manger parce que j'ai très faim. Parce que hier soir du coup j'ai fini très tard. J'ai fini, c'était 11h30. Là j'ai encore, bon tout ça je vais le ranger. J'ai encore deux cartons à vider. Après je mettrai les rideaux, vous savez, dehors pour clôturer déjà en attendant qu'on fasse le bois courant du mois de septembre. Et au moins ça me paraît un petit peu. Et après ça sera gros ménage ici. J'espère tout arriver cet après-midi à faire. Faut que je mette une goulotte aussi. Mais je crois que j'en ai plus. Donc voilà, j'ai pas mal de choses à faire. Et après ça sera gros ménage. Il y en a bien besoin. Mais là j'ai très faim. Donc je vais aller manger tout de suite. Donc on se dit à tout à l'heure. Je vous dirai ce que j'ai fait ou pas du tout. Bien bonsoir. Il est 8h moins 10. Je vous reprends que maintenant.
Pourquoi? Parce que cet après-midi, du coup, j'avais fini de ranger les dernières boîtes. Donc là, tout est officiellement rangé de chez rangé. Il n'y a plus rien qui traîne. Bon, là-bas, il faudra que je fasse du ménage, mais ça attendra la semaine prochaine. Hein. Et après, je me suis reposée une petite heure parce que j'étais fatiguée, j'en avais bien besoin. Après, on a enlevé le trampoline, etc. Là, j'ai tout enlevé pour que le jardinier vienne demain. Comme ça, il n'y a plus rien qui traîne. J'ai commandé à manger, domicile resto. Ce soir, ce sera un hamburger. Et puis voilà. Voilà. Et là, du coup, je vais partir de l'atelier. J'ai très très chaud, pourtant il fait 25-26 là, mais j'ai très chaud donc du coup j'ai, je sais pas si vous voyez, mais j'ai croisé les volets derrière. Puis voilà, j'essaye de pas trop vous spoiler en cas je vais toute la semaine, enfin j'ai que jusqu'à demain de toute façon, parce qu'en plus du coup la semaine prochaine je pourrai vous faire voir tout en détail de partout etc, parce que dans la semaine prochaine vous aurez le room tour en avant-première. Donc voilà, il me restera des petits stickers à faire, je pense que je les ferai là peut-être dans le week-end, on verra, j'en sais rien. Mais ce week-end je vais me reposer et par contre après toute la semaine je vais travailler beaucoup. La semaine prochaine, je pense pas que je vais vlogger énormément parce qu'il faut que je travaille beaucoup la semaine prochaine. Et puis voilà. Donc bah écoutez, moi je vous souhaite une très très bonne soirée et on se dit à demain. Demain, je sais pas si je vloggerai énormément tant qu'il y a le jardinier à la maison. Donc je ferai au mieux. Voilà. Allez, on se dit à demain. Passez une très très bonne soirée. À demain. Et coucou, il est 8h entre 10 et 15h. Je viens juste d'arriver dans l'atelier. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire? Là, je viens d'enclencher tout. Voilà. De chez moi, vous savez, j'ai qu'un petit bouton appuyé, ça m'enclenche tout. Donc là, après, je vais me mettre la télé. Je vais me mettre Alexa, qui est en train de se préparer. Là, je la vois, elle défile. Là, je vais voir aussi pour acheter des ampoules. Là, j'ai pris vraiment des ampoules très, très, très blanches. Donc, vous voyez, c'est très blanc. Mais je pense que je vais acheter des ampoules qui sont connectées à Alexa. Donc, ça, il faut que je voie un petit peu. On en a trouvé sur Amazon. Donc, je verrai pour les commander. Mais je sais que aussi, normalement, à Action, ils en font. Je vais récupérer mon téléphone parce que j'ai le jardinier qui doit arriver à 9h. Mais on ne sait jamais s'il arrive avant. Moi, je rentrerai mon chien. Donc là, moi, aujourd'hui, je vais simplement travailler sur les finitions de l'atelier. J'ai des stickers à faire parce que là, du coup, j'ai récupéré que l'horloge que vous voyez ici. Je ne mettrai plus les autres cadres parce que c'est déjà très chargé. Donc, je ne les mettrai pas. On verra peut-être par la suite. Autant, je les poserai peut-être... Les étagères sont pleines, donc comment vous dire que pour les poser ça va être compliqué. J'ai ma fille qui fait tout le tour, regardez, hop là, je vous spoil pas trop, hop là, elle fait tout le tour. J'essaye de pas trop vous faire voir. Du coup je vais travailler sur mes stickers. Cet après-midi j'ai mon frère qui vient, donc je sais pas quelle heure. Mais je pense que cet après-midi je vais un peu me reposer. Et ce week-end, alors soit je me repose totalement, mais vraiment totalement pour être au taquet dès lundi, parce qu'il faut savoir qu'à partir de lundi je n'aurai pas mes enfants. Donc je sais pas si je vais beaucoup travailler lundi parce que il y a mon chien qui aboie, parce que lundi du coup j'ai ma belle-mère qui vient. Ça y est, je suis allée rentrer mon chien, ça y est, de bon matin il aboie. Pour un chat, comme d'habitude. Parce que j'ai enlevé le collier. Là, pour l'instant, je lui enlève. Je ne veux pas lui mettre H24. Là, pendant une semaine, il a eu complètement. Et là, depuis 15 jours, 3 semaines, il a plus à voir. Mais bon, là, il aboie de temps en temps. Bref, je vous disais que lundi, j'ai ma belle-mère qui vient récupérer les petits. Si elle vient dans l'après-midi, eh ben, je vais pouvoir travailler lundi matin. Si elle ne vient le matin, reste avec moi à midi, etc. Je ne travaillerai pas l'après-midi. Donc du coup j'ai eu un flip. Donc du coup je vais être au taquet la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine je vais travailler tous les jours à fond. À 4h, 3h30 j'arrête, hein, parce que voilà, il faut quand même que j'ai des horaires, sachant que même si j'ai pas les enfants, il faut faire quand même la maison, il y a quand même beaucoup de choses à faire, sachant que je veux faire ma maison à fond la semaine prochaine. Donc en fin de semaine, donc voilà, il faut que je me mette au taquet. Alors soit ce week-end j'attaque petit à petit et puis je me repose pas énormément, soit je me repose totalement, telle est la question. Mais aujourd'hui en tout cas je vais faire mes stickers, donc je vais faire le gros creativity. Oh, j'ai déjà une petite araignée là-haut. Creativity et je vais me faire des mots, mais des mots j'en veux pas beaucoup, je sais même pas où je vais les mettre. Le creativity, oui, il va avoir sa place, donc ça il n'y a pas de problème. Maintenant le reste, je sais pas.
Autant j'en fais qu'un, autant je fais que le Creativity, je sais pas du tout. Et je pense que je vais le faire en rose gold parce que je n'ai pas envie de le faire en noir. Et ouais, je vais peut-être le faire en rose gold. On va voir le rendu que ça va faire. Mais ouais, les autres mots, parce qu'en fait, il y a beaucoup, beaucoup de choses et il n'y a pas beaucoup de place pour les stickers. Non, je vais en faire, je vais mettre au moins quelque chose sous ma lampe. Parce que là, ça fait un poil vide. Voilà, c'est le seul endroit où ça fait un poil vide. Ah là là, je vous jure, je vous jure, je vous jure. Bon, allez, moi, de toute façon, je vous retrouverai, je pense, qu'en début d'après-midi. Pourquoi? Parce que le jardinier va être juste derrière moi. Donc, enfin, pas derrière là, dehors, hein, voilà. Et ça va faire beaucoup, 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 beaucoup de bruit. Donc, je pense que ça ne sera pas possible. Et puis, je vous ferai voir hein, peut-être un petit peu ce qu'il aura fait dans le jardin, je sais pas. Parce que j'ai pas trop envie qu'on voie non plus chez moi et le tour de chez moi. Donc, voilà, on verra. Bon, allez, moi, je vais mettre la télé en poil de musique parce que je vais lui dire de me mettre de la musique et puis je vais travailler un petit peu sur le PC. Voilà, allez, moi je vous dis à tout à l'heure. Voilà, donc il est quelle heure? Il est 6h-10. Je vous reprends que maintenant, donc hop, je vous fais pas trop voir. Mais là, je vais me mettre dehors, ça y est, mon jardinier est parti à 3h30, quelque chose comme ça. Je vous fais juste voir, en fait là il y avait un gros arbre qui me bloquait là, vous vous rappelez ici il y avait le gros arbre et regardez mon jardin il est tout beau, voilà il est tout beau, il m'a tout coupé parce que là la haie en fait elle venait jusqu'à là, voilà il y avait toute cette distance, il m'a tout coupé, c'est tout beau, j'adore. Bon il a pris, il a fait l'autre côté mais je vais pas tout vous faire voir dans mon jardin. Donc là mon frère est allé à Action, enfin il devait aller à Action, hop là, chaque contre-jour. Il devait aller à Action, je parle pas trop fort parce qu'il y a quand même du monde dehors. Il m'a pris les ampoules connectées pour mettre ici. Parce qu'en fait, j'ai un interrupteur chez moi, en fait, dans mon ancien atelier qui était dans ma chambre. Que j'appuie sur le bouton, ça me coupe totalement l'électricité ici. Sauf que je me suis rendu compte que de tout éteindre, et ben, enfin de tout allumer, les lumières chauffent énormément celles que j'avais mis. Donc je voulais quelque chose que si j'ai envie d'allumer qu'une heure par jour ma lumière, et ben, je puisse l'allumer. Et là, vu que tout est relié, ça nous faisait faire des câbles, mettre un autre boîtier, etc. J'ai dit non. Donc vu que j'ai la Alexa, et ben du coup on a acheté des ampoules connectées à Action qui m'ont coûté largement moins cher que sur Amazon. Donc du coup là il me les a apportées. La petite de ma belle-sœur, pareil. Oui, la petite sœur de ma belle-sœur m'a apporté. J'ai 3 t-shirts à lui faire, donc je lui ferai dans le week-end, voire lundi. Mardi je vais me baigner, voilà mardi je serai pas là, de toute façon c'est férié donc ça sera férié pour moi aussi, je ne travaillerai pas mardi. Et puis lundi soir je suis invitée à manger aussi, donc au restaurant, donc c'est cool. Et là mon frère est parti se laver, moi je vais aller me laver, c'est pour ça que je clôture maintenant. Je vais aller me laver et puis après ce soir on va commander les pizzas je pense à manger, faire un petit truc tous les deux avec sa chérie et moi, les deux petits loups. Et puis voilà, ça y est, mon autre fils aussi pareil est inscrit au foot, donc les deux garçons sont inscrits au foot pour septembre, donc c'est parfait. Oh, ça fait trop bien, regardez. Ah, il y a trop, voilà, ça fait trop bien. Là, on passait, vous vous rappelez, ça arrivait jusqu'à à peu près là. Voilà, la pointe de mes doigts, ça arrivait, hop là, voilà. C'était, enfin, il y en avait de partout. Donc là, du coup, j'ai mis des rideaux. En attendant, en fait, j'ai mis des rideaux en attendant qu'on ferme. Et du coup, j'ai un autre rideau marron que je vais, c'est pas le même, c'est pas grave. Je vais le rajouter là parce qu'en fait, ça fait très chaud. Là, déjà, le fait que j'ai coupé là, ça fait beaucoup plus de frais. Et bon, là, du coup, je mets un grand rideau parce qu'en fait, derrière la porte, on a mis une tringle, une grande tringle qui va tout en haut pour cet hiver. Et il me faudra juste que j'achète le petit boudin. Et là, demain, je vais essayer d'aller à, je vais aller à Brico Dépôt, je vais aller acheter ma caméra pour dehors parce que Action, il n'avait pas. Donc je vais aller acheter ma caméra, comme ça je verrai toutes les personnes arriver chez moi. Parce que là franchement ici c'est vraiment la cabane au fond du jardin, je n'entends rien. Je n'entends pas mes enfants dedans, donc du coup je vais remettre ma caméra dedans pour les entendre. Mais par contre ouais, il me faut une caméra pour dehors parce que je n'entends strictement rien. Derrière j'entendais, mais alors là j'entends rien du tout. Donc du coup demain petite caméra, puis j'ai 2 courses à faire et puis voilà. Donc moi je clôture ce vlog aujourd'hui. La semaine prochaine vous aurez un room tour en avant-première. Donc je serai sur la vidéo en avant-première, c'est exactement comme un live sauf que ça sera une vidéo qui sera déjà faite et que moi je vous répondrai dans le chat si vous avez n'importe quelle question. Je pense essayer de la filmer peut-être mercredi, vous la mettre soit jeudi soit vendredi en avant-première. De toute façon suivez-moi sur les réseaux sociaux, tous les réseaux sociaux sont en barre d'infos et puis vous retrouverez plus de détails. Moi la semaine prochaine ça va être boulot, je disais oui la semaine prochaine ça va être boulot, mardi je suis pas là et boulot 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 parce qu'il y a beaucoup de boulot. Et
J'essaierai de, voilà, de filmer mercredi. Je vais essayer de filmer le matin ou l'après-midi. Je verrai. Moi, de toute façon, j'ai pas les petits et ma fille revient que dans l'après-midi. Donc, je serai calme pour filmer. J'aurai aucun dérangement. Et puis voilà, vous aurez ce fameux room tour. Et moi, la semaine prochaine, je n'aurai plus besoin de cacher derrière moi pour pas trop vous spoiler. Voilà. Et puis en tout cas, j'espère que l'atelier vous plaira. En tout cas, moi, je m'y sens beaucoup, beaucoup mieux. Ça se voit à ma figure. Hein. Franchement, je suis tellement, tellement, tellement contente. Maintenant, c'est fait. Je vais pouvoir passer à d'autres projet que je vous en parlerai très bientôt, promis. Et puis voilà, donc allez, je vous dis bonne journée en ce dimanche à l'heure que vous verrez cette vidéo, ou peut-être le soir, je ne sais pas quelle heure vous verrez cette vidéo. Moi, je vous fais des gros bisous, je vous kiffe comme d'habitude, et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Bye bye bye. J'ai complètement oublié de vous dire, donc le vlog n'est pas fini. Hop, j'aurais fait mon intro, mais vous n'allez pas comprendre la fin. Je voulais vous dire, c'est cette personne là hop, qui est venue, donc mettez sur pause. Cette personne là, franchement top, vraiment un très très bon travailleur. Si vous êtes du 0405, je pense que dans le 05 il peut se déplacer. Franchement, il travaille super vite, les niveaux prix top. Franchement, je vous le recommande vraiment, 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 vraiment. J'ai pris sa petite carte et je voulais vraiment lui faire un clin d'œil dans cette vidéo, parce que franchement, vu le taf qu'il y avait dans mon jardin, je sais pas si beaucoup, beaucoup auraient accepté de faire tout ça. Donc merci beaucoup. Bon, il passera pas par là, mais moi je lui dis merci beaucoup d'avoir sauvé mon jardin, clairement, parce que c'était dans un état pitoyable. Donc voilà, donc n'hésitez pas à le contacter. Moi, je vous souhaite un très bon dimanche à l'heure de cette vidéo. Je vous fais des gros, 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 gros bisous, et puis on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye!